merde, les filles. Mais pourquoi ma peau est aussi sèche? Ouais, la mienne est toute tendue. Les filles, c'est parce qu'on mange trop de sucreries. Demain, il faut absolument qu'on aille au salon de beauté pour se faire faire des masques hydratants. Si on ne s'hydrate pas suffisamment, ça va accélérer le vieillissement de notre peau. Qu'est-ce que tu crois, Maya? On le sait déjà. C'est qui? Les filles, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Pourquoi est-ce que toi aussi, tu as la peau sèche? Dans le genre très très sèche? Non, les filles. Karina, mais qu'est-ce qui se passe? Une dispute entre amis? Tu as besoin de produits d'hygiène? Mais non, les filles. J'ai besoin de quelqu'un pour me remplacer dans mon magasin. Et je n'ai confiance qu'en vous. Nous? C'est sûr que ça fait plaisir d'entendre ça, mais... Mais on ne sait pas du tout comment gérer un magasin. On n'a jamais fait ça. C'est très simple. Un acheteur vient vous voir, il choisit un article, il vous le donne, vous l'emballez et vous encaissez son argent. Eh bien... On peut essayer. Je ne sais pas, je n'aime pas vraiment m'asseoir dans un magasin. Alors les filles, est-ce qu'on va relever ce défi? Les filles, s'il vous plaît, je ferai tout ce que vous voudrez en échange de ce service. Ok. Karina, crois-moi, on va tout vendre dans ton magasin. Et tu nous remercieras, pourvu que les clients ne soient pas désagréables. Merci les filles, vous me sauvez la vie. Le code d'entrée. Ok, 3331, c'est noté. Diana, c'est un code secret, ne le crie pas. Allez, il n'y a personne d'autre ici. Karina, il n'y a que nous. Ok les filles, j'y vais. Mais vous devez y aller, c'est bientôt l'heure d'ouverture du magasin. Letty, je viens d'avoir une super idée. Laquelle? Voilà, on va profiter du magasin de Karina pour vendre tous nos vieux vêtements. Diana, mais c'est une idée géniale. Avec l'argent, on pourra s'acheter de nouvelles fringues. Oui! Alors les filles, vous êtes prêtes à dire adieu à nos anciens vêtements? Oui! Les filles, bonjour. Vous faites le ménage dans vos armoires? C'est une bonne idée! Bonjour! Non, Coach Abby, nous allons faire un vide-grenier. Nous allons remplacer Karina dans son magasin et en profiter pour vendre nos vieux vêtements. Donc, si tu as de vieilles fringues qui traînent, emmène-les ici. On va les vendre. Les filles, vous êtes vraiment intelligentes. C'est une super idée. Et où utiliserez-vous l'argent récolté grâce aux articles? Évidemment, de nouveaux vêtements. C'est du génie, non? Les filles, allez, on se dépêche. Il faut qu'on vende tout ça. Les filles, je pense que vous devriez plutôt dépenser cet argent pour une œuvre de charité. Pour nourrir les animaux abandonnés. Oh, les filles, ça c'est vrai. On n'y a pas du tout pensé. Eh bien, dans ce cas, aidons une œuvre de charité. Mais d'abord, il faut quand même qu'on vende quelque chose. Les filles, allez, plus vite, plus vite. Oh, les filles, je vais vendre mon vieux costume. J'aurai un bon prix. Mascotte, tu as vu son état? Oh, d'accord. Alors, je vendrai mes vieux t-shirts. Apporte-les, Mascotte, parce qu'on va partir au magasin. Aujourd'hui, nous sommes des vendeuses dans un magasin. Donnez-moi une minute. Les filles, je viendrai vous voir en cas de besoin. Bonne chance. Merci, Coach Abby.